Après arrestation Mario Antonio Palacios Palacios dans le pays Panama, Mario Antonio Palacios, qui c'est un cerveau crime crapulé qui fait sous chef l'État Jovenel Moïse, nous capable de dire, t'assemble, c'est clé pour arrêter nèg qui participait direct dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, t'assemble clé, nous cassé clé. Eh bien, après arrestation Palacios dans le pays Panama, eh bien, autorité dominicaine, yo fait un lot gros coup de filet, mettez tout ça. Qui c'est un namoun qui finance, qui participe dans le financement crime qui fait sous président Jovenel Moïse, qui c'est Rudolf Jara. Mais c'est ça qui te gen avis de recherche derrière lui. Eh bien, côté le tal caché, ceci, c'est autorité haïtienne yo-même qui te facilite pour le tal caché en République dominicaine. Nous capable dit, par rapport avec moun gros toro qui impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse là, théâtre où la justice haïtienne a fait sous dossier président Jovenel Moïse là, nous t'es capable de dire yo pas gen trop grand chose qui ont été capable de faire sous dossier ça, parce que dossier assassinat président Jovenel Moïse là sont spaghetti qui lié tellement gen nèg qui impliqué là-dedans, tellement gen numéro téléphone, tellement gen appel croisé qui fait jou assassinat président Jovenel Moïse là pral gen rel kay makorel. Si c'est moi k'ap di ou capable pa kwen, mais nous pral invite ou pour nous suivre détail qui gagnen sou quantité nèg gros révélation qui fait après 6 mois assassinat président Jovenel Moïse là pral gen rel kay makorel, révélation sou révélation, appel croisé sou appel croisé. On vient de connaître là ce rapport ça et au métier de Pierre Espérance hier qui je dis là qui marquait 6 ans depuis et 6 mois pardon depuis il assassiné président cette juillet se passé là la Kaili. Il y a un des rappels qu'on fait dans le document ça, nous pas venir sur lui, n'a tombé rapidement dans point 17 là pour qu'une capable ballon petit casse plus rapide côté que NDDH parlait de appel croisé qui enregistré entre moun nous estimé qui impliqué dans enquête ça de janvier à juillet 2021. On soulignait que Félix Joseph Félix Badiou lui parlait avec un pile moun et des moun que nous estimé qui est important dans enquête là, Pierre Espérance. Oui, par exemple c'est dans qui point 17 ou bien 18? 18, nous dans 18 qu'on est là. Ah, OK, 18. OK. Sous prend un monde ta pour Cinéis Francis Alexis. Nèg ça moun ça et lui parler avec Badiou et presque 200 fois. Et si je ne me trompe pas, c'est 193 fois. De janvier à juillet 2021. Non, je vais même ça même. Ah. De mai à juillet 2021. Ah, oh. OK. Et Francis Alexia, c'est mai et à juillet 2021. Ouais. Et c'est 193 fois. Francis Alexis, et c'est un monde, et dans le moment que tu et fait là, dans le moment et commandeur de la caille, et Jovenel et Moïse, et il était dans Paris, il était dans la zone Pétionville. Immédiatement après l'assassinat, il était champ de masse. Et la police judiciaire n'a jamais mis avis de recherche contre monsieur, ni le commissaire gouvernement qui était là, dans la période là, qui a mis plusieurs mandats contre une série de monde qui ont estimé qui était en contact avec Emmanuel Sanon. Et même les nous te reconnaître ça était illégal parce que DCPJ t'a mené enquête là et commissaire gouvernement pas de rien à mener pour te faire ça. Mais la justice pas dit rien sous cas nèg ça. Par exemple, ou gagné ancien DG PNH là et Léon Charles était en contact avec lui parler avec James Solage et non mais non mais avant ça souligner dans le document et que et Joseph Félix Badiou lui parlait tout à Léon Charles. Oui, il parlait et pas après assassinat, c'est avant hein.
Ok. Mais dans le cas et Marie Gilbert Dragon lui-même, par exemple, et joue ça, c'est un policier qui était en Kaila, joue assassinat, policier ça s'appelait Jude Laurent, il était en contact avec et Dragon et Dimitri Ra, et Dragon était en contact avec Badjo et John Joel et Joseph. Depuis Covington. Alors, ma tout dit ou tout, 5 mouns, et gen 5 mouns qui est coordonné, planifié. Alors, pour Pipiti, gen 5 mouns qui coordonné, planifié le crime, et qui était très actif, et joue ça, c'est Badjo. Mm-hmm. Et alors, Joseph Badjo, et qui sous protection la primature, gen John Joel Joseph, et gen Jean-Marie Gilbert Dragon, malheureusement, qui mourit dans la prison. Non, il est presque dans la prison, parce que quand même, c'est immédiatement, il a fini transféré dans l'hôpital, et puis il mourit. Je ne sais pas, il était même en bas de la cabane dans l'hôpital là même, et il mourit. Et puis, il y a un civil Laguel, Dimitri, et deux messieurs, par exemple, Civil Laguel, te gen l'argent en main, et pour li capable pour te bail policiers qui affecté dans trois unités et dans palais national pour yo pas réagir et pour pas faire rien les dans moment que commando te débarqué dans Kaira. Et j'en nous dit livre en document immédiatement après yo fin assassiner Jovenel. Martin Moïse pour quitter Kaila, Badjo débarqué dans pick-up, il rentré dans Kaila, il rentré, l'aller dans chambre Jovenel Moïse, il prend l'argent, il prend document et il est là quitter Kaila, il ramassé toutes armes policiers et quitter là et joue ça. Ouais. C'est même Badjo ça a souligné dans le document Pierre Espérance qui parlait 12 fois avec le Premier ministre Ariel Henry, 2 fois dans le même assassinat. C'est ça moi écrit dans le document. Badjo, oui. Parler et juin avec juillet, 12 fois avec Ariel Henry, et jour. Alors, le nom dit 12 fois, c'est sous une téléphone, yo. Et nous analyser seulement appel qui fait sous téléphone Digicel avec téléphone Digicel Ariel Henry et téléphone Digicel. Et Badjo, mais nous pas qu'on bail information sur téléphone et Natcom et Ariel Henry et Gagnon et que joue soit ça et Ariel Henry tout sous téléphone Natcom Nian lui communiquer avec et Jovenel Moïse. Alors il parlait avec Jovenel Moïse trois fois. Alors, avant assassinat. Oui, ouais. Assassinat. Oui, et puis, il gagne tout, et il y a un monde et Dimitri là, Civil Laguel, et il a utilisé l'autre téléphone tout pour communiquer avec le monde qui nous a dit, et avant. Maintenant, où souligne le téléphone, ça, c'est le téléphone qui n'est pas connu. Qui parle juste ce nom. Maintenant, où dit Badjo était parlé 12 fois avec le Premier ministre Ariel Henry et 2 fois dans le jour soir même il a assassiné le président. Et quelque part d'autre, où dit Badjo Lissou et bénéficie de protection primature. À qui niveau le bénéficie de protection primature et qui est ce primature qui a protégé? Joseph Badjo et Ligue de protection et mon primature n'a plus haut niveau. C'est plus haut niveau dans la primature. Et même Jean Tout et John Joel. Plus haut niveau, c'est Ariel Henry, dans la primature. Oui. Ok. Oui. Ça veut dire que c'est Ariel Henry qui a protégé Badjo. Oui. Qui, bon, l'homme qui a protégé là, c'est lui-même qui est premier ministre, ça veut dire que c'est lui-même qui mettait
et qui prend disposition pour protéger Badjo. Et Badjo là. Et c'est même et CSPN là. Badjo là actuellement en Haïti ou bien qui est en allé? Et bon, si Badjo pas en Haïti pour ça nous te connaît, et c'est à partir de la troisième semaine, jusqu'à la troisième semaine mois décembre, pour information que nous te gagnons, et Badjo est en Haïti toujours. Et Badjo est en Haïti. Même Jean nous dit dans le document, et on monte en cours et Palacios, il passait plusieurs semaines en Haïti avant que yo aidé le quitter pays. Ok, bon, nous passons dans Palacios, nous retournons et dans Palacios. Mais au songe, le pour Ariel Moutro, il est tellement confortable avec sa passé, tellement à l'aise, il est tellement banalisé et relationnel. Et disons communication te gen avec Badjo et dans une interview qu'elle ba il dit il pas changer qu'elle te parler avec Badjo et alors que bon interview encore qu'elle te ba avant même que et la police et de CPJ avant de CPJ te mette à vie de recherche et contre Badjo et dans une interview que Ariel Henry ba à un radio dans capitale là li te di Badjo qu'il connaît moun sa connaît et li pas gen moyen pour faire tout et pour faire toute planification ça pour crime ça il me dit moyen l'a parlé des moyens et financiers avec équipement et etc. ouais et li te parlé et en faveur Badjo c'est là et enquête rapport de CPJ a vint sorti et puis un rapport accablant qui montrait toute implication Joseph Badjo dans le crime nan, et puis c'est laisse à tout et moun vin connaît que Ariel te parlé avec Badjo et Ariel te dit li pas songé et si li te communiqué avec Badjo et mais il y a plus de communication toujours entre Ariel avec Badjo sous relation yo et mais nous pas dans document ça il y a venir après parce que nous même dans RNDDH même gens n'a demandé pour yo arrêter et juger pour yo identifier monde qui assassiné Batonier, Monseigneur Doval, moun qui assassiné Diego Charles avec Marie-Antoinette Duclerc et moun qui assassiné et moun yo dans quartier défavorisé sous Jovenel, et ben nous voulons limiter fait sous assassinat Jovenel Moïse là. Son non. Crime qui était planifié. Où est ça passé? Non, dossier ça. Ou bien trois institutions qui, la police judiciaire, qui connecte avec base de données, institution ça yo. Yo déconnecté, oui, avant assassinat. Et après assassinat, yo prend disposition pour ne pas jamais reconnecter, oui. Yo déconnecté DCPJ avec OAVCT, ONI, DGI. Oui. Immigration. Immigration, tout, oui. OAVCT, hein. C'est un coup là, les par exemple gen une machine ou bien il est capable une motocyclette tout qui impliqué et il y a une enquête sur lui qui impliqué dans un crime et puis DCPJ aller il gen placard il cliquer et puis il voit tout il joine information yo ONI DGI immigration trois ça gen des par exemple un étranger capable bon téléphone sous non ni a utilisé passeport li c'est numéro passeport li qui quel bail comme pièce d'identité li ka haïtien capable faire tout et pour haïtien tout yo capable faire avec carte d'identification et carte d'identification nationale yo ou bien avec pas DGIA et c'est ça qui
et qui facilite le travail des CPJ, les par exemple, qu'on y est là, yo appel croisé, eh bien, les ça, y a vérifié l'information. Qui est-ce, Pierre Espérance, qui est-ce qui a baillé l'ordre pour refuser accès à DCPJ sous base de données OAVCT, ONI, DGI et puis Direction Immigration? Qui est-ce qui a baillé l'ordre ça? Moun qui est capable de baillé l'ordre, c'est moun qui gros autorité dans l'État et moun qui tout puissant et sous administration Jovenel Moïse, même si moun sa pas président, mais li capable à travers ministre li, ou bien c'est yo même qui te mette et moun sa yo passe yo l'ordre, yo dit et déconnecté yo. Mais ça pire là, c'est parce que yo déconnecté yo sous et avant Jovenel Moïse. Mais après elle mourit, l'équipe qui vient après qui là, par exemple prend disposition, par exemple fait aucune démarche pour reconnecter. Et n'a parlé CSPN. Et non CSPN, li capable et premier ministre, si ça arrive devant nous, li ta capable ministre justice là. L'État capable ministre intérieur, l'État capable directeur général la police là. Et qu'on y est là, si au niveau directeur général la police là, il fait des machos, et ou bien directeur des CPJ à tout, il fait des machos, ça pas abouti, qu'on y a abouti, y a pas et pire. Mais et c'est blackout total. Yo pas reconnecté, ça vient un blocage pour et enquêter des CPJO. Donc si vous comprenez bien, et puis expérience, explication à Bala, pour que vous capable comprendre bien, DCPJ, oui. Direction Centrale Police Judiciaire, dans le cadre de travail, enquête policière la menée, les doués gagnent accès avec institution publique SAO, qui c'est OAVCT, qui c'est ONI, qui c'est DGI, qui c'est Direction Immigration et Immigration, pour qu'ils soient capables d'avancer dans les données la chercher, dans l'enquête l'affaire, pour qu'ils soient capables de joindre des données et approfondies. Donc, oui. C'est accès à base de données institution publique, ça yo, yo bloqué à une autre institution publique qui c'est la police, parce que dans pas de CPJ, c'est la police, c'est à la police. C'est à base de données institution publique, ça yo bloqué accès, particulièrement sous enquête qui a mené sous assassinat président Jovenel Moïse. C'est de ça qu'on parle là. Oui, yo bloqué yo, yo déconnecté yo avant assassinat, et yo pas jamais reconnecté yo jusqu'au moment qu'on a parlé là. Yo, ça veut dire que yo pas jamais accès ça. Et pas de aucune démarche qui fait pour y'aurait pas accès à ça. OAVCT, ONI, DGI, immigration. Mais est-ce que autorité dans la police, yo, par exemple, quitte et Léon Charles était dans la tête de la police là, quitte Sekounia là avec France LB, yo produit demande pour yo dire bail DCPJ possibilité pour qu'il ait accès à database et institution ça pour qu'il capable avancer dans l'enquête là. Ma prendre vous encore. Yo bloqué yo déconnecté yo avant assassinat, pas gen aucune démarche qui fait pour reconnecter yo jusqu'au moment qu'il a parlé là. Tu avais dit directeur général qui était là pas fait demande là aux côtés de autorité étatique pour permettre accès à DCPJ à database et institution ça. C'est ce que vous voulez dire là. Oui, yo bloqué. Yo pas fait démarche. Et bon l'autre bagarre encore. Par exemple, sous-prend et FBI aider la police judiciaire en pile dans l'enquête là. Il y a des pistes qui ont été, par exemple, il y a deux institutions bancaires et c'est là qu'il y a des actions qui ont été faites pour assassinat. Ça parle toujours pour tes précisions, ça parle de dire que les banques concernées, c'est les banques qui ont payé, c'est l'argent qui transitait. Dans le qui est aux États-Unis. Eh bien, l'autre bail n'a plus haut niveau pour ne pas vérifier l'information. Enquêter. Par exemple, et j'en ai dit dans le titre, ce document qui nous sorti, nous dit pas gain supplément d'enquête. Police judiciaire. Et nous dit par l'instruction. Bon,
un dossier qui est en phase d'instruction pour gagner simplement d'enquête ou bien information, et faut gagner commission rogatoire. Et qui est-ce qui vous baille? C'est le juge d'instruction. Il va bailler. Mais, ça va vous dire, et pour autant que DCPJ, qui te remet un rapport partiel, un rapport préliminaire, et lui te gagne l'autre. Et les potes qu'on finit enquête là, il y a une information pour le chercher. L'été doué continuer à chercher en attendant que juge là et balle commission rogatoire, puisque commission rogatoire en général, juge à Bali, normalement c'est pour 30 jours. Et dans 30 jours, pas besoin de toutes sortes de besoins. Donc, il y a fait travail ça pour mettre yo là, mais ça n'a pas fait. Mm-hmm. Pas gain enquête, pas gain instruction. N'a pas venu sur. Et Jean. Oui, allez-y. Et Jean te dit dans l'introduction, et Palacios, qui c'est un élément clé dans l'exécution Jovenel Moïse, parce que groupe équipe parle là, parce que Colombien t'es formé 4 équipes. Et équipe par Palacios là, il te relé et Delta. Et Palacios, il n'a plus dans le là. Et c'est l'équipe par Palacios qui fait premier photo et cadavre. Eh bien, nous comptons le fait que Palacios pas allé en Colombie. Et nous croyons tous, c'est un bon bagaille, le fait que la justice américaine a tendé, l'a collaboré et nous souhaitait, après les fins pigé penny, les fins collaborer, yo voyel en Haïti, vin jige. Mais autorité pas bon ici, yo, et avant et transfert Palacios aux États-Unis. Alors, moun qui fait crime nan, yo te pensé que tout bagay fini. Yo pensé que yo te maîtrisé tout bagay. Mais attention, Mabio Palacios commencé collaborer avec FBI depuis octobre 2021. Et Palacios finalise, et FBI finalisé, et déclaration par Palacios, ça, ou bien, c'est une la fille David, et le 26 novembre 2021. Le Olili, monsieur dit, yo dit, monsieur Baye, monsieur cité non. Et monsieur a collaboré. Maintenant, nous allons monter de rapport à Pierre Espérance. Nous venons avec on l'autre partie dans le rapport à RNDDH et MTDO. Vous parlez de l'inexistence d'instruction avec le juge Gary Aurélien, comme quand d'autres n'ont pas payé rien là. Et au même plongé doit être soulevé, même avec Greffiel, qui t'a rentré dans le processus d'intimidation avec menace sous un responsable de maison Capri Machine, Oli Damus. Nous allons regarder tout ça et vous faire des recommandations. Nous allons être appropriés, nous respectons, Pierre Espérance, nous retourner pour l'autre partie ça qui n'a rapport. Regardez à vous tout le monde. On a détaillé des critiques ensemble avec vous dernier rapport ça RNDDH PTDO en occasion 6e mois depuis assassinat du président Jovenel Moïse. Justement Pierre Espérance, on a parlé de militaire colombien ça et Mario Antonio et Palacios. Et est-ce que formation yo Jongain là Pierre Espérance laisser comprendre effectivement c'est monsieur qui tirait sur président? Non, m'pa ka di que une information qui c'est monsieur qui tirait sous président. Et ça, moi, j'ai comme information, groupe PALA, lié les Delta, équipe PALA, qui a 5 mounes dans parce que, j'ai moins dit avant ça, avant nous monter de la poire ensemble avec nous. Bien entendu. Et Colombien, yo était environ une vingtaine. Yo était formé 4 équipes de 5. Gain là qui a un plan. Et Jean-Oué Palacios dit dans la déclaration libre et by FBI, il y a un plan qui a un plan pour arrêter Jovenel, et Jean américain utilisé le terme kidnappé, et il y a un plan pour quitter là pour tuer l'équipe par Palacios, ça, c'est Delta, et Delta est rentré dans la chambre, c'est là. Et comme lui-même, lui son capitaine, pas qu'on est si lui-même, et c'est lui-même qui t'a coordonné l'autre chose,
et parce que pas connait qui si pas de bon pigou ou gradé té là ouais mais c'est équipe par là qui entre dans chambre là et qui touye Jovenel et c'est eux même qui fait premier photo et cadavre pour assi pour voyer pour montrer mon yo que mission il a compris. Maintenant, on regarde par la sur ça pour avancer sur le point d'annonce tout à l'heure là. Par la sur devant la justice américaine, là, qui déjà avancé ce dossier, grand juge. Non content, oui. Oui. Grand juge Captain Del. Maintenant, les risqués pour le jeu de condamnation. Et bon, on dit le risqué. On ne sait pas. On a quitté le dossier avancé. Et on regarde quatre figures. Il a condamné. On regarde quatre figures les condamnés. Vous pensez qu'il est capable de faire condamner et puis vous le bonhomme en Haïti pour le juger encore? Parce que, en principe, on doit, on croit qu'il dit, on n'est pas capable de juger pour deux, pour un seul fait deux fois, non? Bon. Et. Lui. Planifier crime, non. Il était commencé à planifier assassinat aux États-Unis. Et crime, non, c'est Haïti qui le fait. États-Unis capable de juger lui. Et puis avec, avec collaboration. Que M. Bay pour ça lui fait et aux États-Unis et mais en Haïti et faut que États-Unis t'a voyé venir pour répondre des actes qu'il fait et en Haïti donc qu'on y est là c'est et nous bon à la vérité dans plusieurs cas et faut qu'on reconnaisse ça que y a des monde et yo et arrêté aux États-Unis ou bien yo arrêté en Haïti pour question de drogue yo voyé aux États-Unis à après yo fin pigé peine yo voyé retourner yo pas continuer poursuivre en Haïti parce que pas de bon dossier. Mais dans le cas par la chose, un grand dossier est en Haïti et criminel c'est en Haïti qu'elle fait. Et, mais avant par la chose, puis j'étais il commence à collaborer et la population haïtienne, nan, le monde a connu, ça a pris quelques jours, quelques mois, le monde qui paye pour criminel. Et, si gagnent me penser des monde qui planifient crime aux États-Unis qui ta citoyen américain haïtien ou bien de l'autre nationalité ou bien qui quitte Haïti après crime qui allé aux États-Unis avec arrestation par la force là yo pas capable pas d'y aller journée jeudi hein. Ouais yo pas capable pas gagner problème donc c'est ça que fait nous dit nous réjouis le fait que la justice américaine rentre dans le dossier parce que le crime ça a commencé à planifier, l'assassinat ça a commencé à planifier aux États-Unis. Sur territoire américain. Maintenant, ça permet nous tout entrer dans le travail de la justice, pas Maurice l'a fait, en Haïti avec Gary comment est-ce qu'il a dit ça? En Haïti? Oui, la justice haïtienne. Non, pas rien. Moins doué, pas rien d'instruction, ni enquête, non. Bon. Et au niveau des CPJ, t'as fait. Bon juge d'instruction sur ce dossier, oui. Oui, on connaît. Oui. Mais pas d'instruction. Mais ça l'a fait là avec le dossier là. Bon. Il n'y a pas du tout ce dossier là? Non, c'est dans le fait que j'ai attendu des gens ou bien il y a des gens qui ont été arrêtés, les libérés et puis qu'on y a pour mon dit j'ai la pression. Pas d'instruction là, fait. Ouais, pas d'instruction. Donc. Et sous question et libération, je pense que c'est important pour moi de dire un bagage sur ça. Il y a quatre policiers qui sont libérés depuis. Alors, l'autre là-bas est depuis le 31 décembre. Quatre policiers, ça, regarde-toi là, c'est les policiers IRGPN qui ont été arrêtés le 25 septembre 2021, jour et Vladimir Varezan est dans le cabinet d'instruction. C'est jour ça a été arrêté, c'est juge qui a été arrêté, mais dans l'enquête de la police judiciaire, des CPJ et rapport. Et y a pas fait état de trois mounsao et l'autre là c'est responsable et quatre teams là et qui ont été arrêtés dans quatre dossiers ça et quatre teams pour population c'est une dans unité n'a pas l'air et l'ont gardé
et rapport RNDDH là, j'en nous présenté unité spécialisée, unité qui n'a pas l'air, pour regarder sous Jovenel Moïse, ni CATIM et ni ISP, qui n'ont pas représenté rien, c'était IRGPN. Mm-hmm. Et dans l'enquête là, nous pas trouvé côté et responsable CATIM là, qui est impliqué dans le dossier ça. Naturellement, et l'on ou responsable ou unité ou bien on poste des responsabilités et puis ou ouais que ou pas faire rien yo pas bon travail pour faire et ou ouais n'importe bagarre capable brivo pas rien l'autre bagarre pour faire c'est pour démissionner c'est pour aller corps ouais li et celle ça nous capable reprocher li li pas de rester côté l'IA parce que pour gens et sécurité ou trois unités qui ont été venues dans le palais national, c'est celle IGPN. Donc, ni ou mon responsable CATIM, ni SP, pas de rien qu'elle tape réglé. C'est civil la guerre avec Dimitri là qui te gain commande trois unités ça et c'est eux-mêmes, c'est ils fait ça ouvrir et c'est eux-mêmes qui t'a coordonné joie avec unité ça pour pas faire rien, pour pas répondre avec les monde qui vient attaquer. Président, ou souligné dans le document, et Pierre Espérance, ou dit, magistrat, et c'est ce que vous avez dit là, c'est pas parce qu'il y a quelques gens qui fait la peine sur le dossier, ou estimé que pas gagné une structure, pas gagné une enquête qui a sur le dossier, mais parallèlement, on dit, au lieu pour juger Gary Olier, t'as fait travail, lui-même avec greffier, lui, ou cité non greffier, Élisée Cadet, c'est menace, c'est intimidation, il a fait à un responsable de firme, et qui a des machines et tout, et qu'il était loué, et c'est compagnie, au lit d'Amis Ab dirigé, il a fait des menaces, et il y a même, demande qui t'a fait de bon côté, responsable pour Paris, ça, pour le tabac et machine à greffier. Mon cher, si nous avons un NDHT, on a preuve que nous avons amené sous greffier ça, Élisée Cadet, qui dit que c'est pour juger le travail, on va vous mettre des mains à tête. C'est chargé. Et j'en ai dit dans le document, on résume que nous faisons. Mais, et nous avons dit plus, et nous avons l'autre toujours. Côté greffier a fait le monde. La mande kob et ça t'a étonné nous pour Gila pas ta konne parce qu'il dit c'est pour Gila la travail mais même tantôt monsieur Espérance c'est pas parce que il dit travail pour Gila qui fait fond d'accord sur parole que la travail effectivement pour Gila le n'a pas le travail pour Gila mais intimidation mande kob et renseignement qu'il a fait c'est pas le dit que c'est pour Gila effectivement la fait ou bien est-ce qu'on a preuve que c'est pour Gila la fait ça li les juges de connaissance avec lui. RNDDH, il y en a même. Nous en pile, là même. Oui, nous en pile, mais nous pas bah, toute information, c'est le coup. Non, mais surtout dans tout dossier, hein, ouais, et particulièrement sous, et au niveau cabinet d'instruction, sous comportement greffier avec juge, nous en pris en pile. Et tout ça, où elle nous dit, soit dans un document, dans un communiqué pour la presse, dans un dossier ça, ou bien dans une interview, et nous avons preuve pour eux. Et donc, dans le cas, qu'on a, sous question posée, dans le cas Élisée et Cadet, et sous le cas ça, même, ça nous prenons un exemple, nous prenons une, nous avons mis même cinq. Nous avons mis même 5 dans le document ça. Mais nous mettons une toujours. Et nous espérons que nous demandons pour le juge clarifier la situation ça et rapide. Juge d'Arioréunien, parce que sinon, nous avons venu avec plus. Et nous gagnons pour nous dire plus. Donc, monsieur, nous sommes tellement à l'aise. Nous demandons mettre location pour mettre une machine tout non prévu là oui parce que c'est ça moi expliquer dans le document où dit Élisée
KDA, qui s'est greffier juge Aurélien, li a loué 9 décembre 2021, li a loué responsable compagnie ou Lidamus, li dit m'est capable faire casser mandat juge d'ATBT contre moi un an ou virer sous nom mon machine. Oui. Est-ce que NDDH t'a parlé avec juge Aurélien sur ça pour lui dire mais qui ça greffe la faire est-ce qu'au courant? Bon, ça m'est capable de dire toute information que nous mettons dans le rapport ça qui concerne un monde depuis mon an là, nous essayons de contacter lui. Bon, il y a des fois où parler ou contacter ou pas parler, ou pas voulu parler. Et mais faut que moi dire tout nous avons trop preuve dans mais nous sous ça qu'on fait dans le dossier ça et côté que tout nous parler avec juge là sous plusieurs et bagaille comme ça qui vient déjà et nous pas jamais moyen rien et fait non seulement qu'il nous dit avec lui bien tout nous dit déjà publiquement. Ça veut dire, si je comprends, en plus de ça, on va parler là, qui c'est bon, ça c'est la corruption, et que greffier Élisée Kadé, greffier juge Gary Oulet a fait, il y a l'autre monde qui a essayé de rançonner, en enquête toujours? L'autre session? Oui, moi, nous avons pris 5 exemples en ça. Oui. Nous avons pris venir avec 5 monde, 5 cas. Mais nous prenons une, et ça, nous avons dit, ça, nous dit dans le document. Si ou passez dans RNDDH, l'autre monde pas besoin de passer, non? L'autre monde, non? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème pour nous partager avec le monde, la presse, et faire ouais, ça nous gagne des informations, mais nous pas dans le monde qui a beau monter. Parce que il y a un problème qui vient, c'est que nous n'avons pas les documents. Et puis, il y a gardé des documents et puis il fait commentaire sous à partir de un tweet que le monde fait de un document. Mm-hmm. Ou recevons un rapport RNDDH ou Lili, et puis on pose des questions sous rapport. Ou est parti sur parler là, sous passer dans RNDDH, on pense que ça, ou pourrait ça, l'eau qui a sauté dans zéro, pourrait dans qui état la justice pays. Un dossier qui est aussi important comme ça. Qu'un cabinet de fiction a mené une enquête. Et puis, pour aider toutes les autres ayo, donc, on va demander tout. Et si, à niveau ça, pour un ancien président de la République, li comme ça, et ou men, et cinq citoyens, et moun belè yo, et moun matissan yo, et moun cité soleil yo. Non. Un rapport moun yo kapab a li pèr espérance. On finit avec quelques recommandations et offert avec RNDDH sur dossier ça rapidement espérance. Recommandations yo? Oui, quelques là-dedans yo rapidement. Ah OK, très bien. Et pour recommandations yo, nous penser nous li important pour DCPJ et pour DCPJ reconnecté avec l'institution ça. Et fort d'inspiration qui baille dans la société, pour qu'ils soient celles où que toute institution ça, juste avant l'assassinat, ils ont déconnecté, ils ont vraiment reconnecté, ils ont vraiment baillé DCPJ et accès. Ça, c'est important. Et pour DCPJ continuer à enquêter, il y a sous les transactions qui étaient faites dans l'institution bancaire pour qu'ils soient capables de voir les gens qui payaient pour le crime. Là. Et puis tout, et pour et faut nous connaît qui ça passé joie au niveau des chaînes sécurité à plus au niveau c'est vrai non les comme yo gagné et Dimitri là avec Cyril Laguerre qui l'a mis et la justice haïtienne mais et gagne de l'autre monde dans chaîne sécurité à tout et qui est concerné et sous question supplément d'enquête là et même laisser vrai
juge là pour qu'on baille commission rogatoire, mais c'est pas une raison pour gens ça compte fait déjà pour les CPJ te camper et enquête là. Faut continuer et chercher et information. Et nous dit tout faut et CSPJ hein, l'ouvrier li et sous ça qui a passé dans le cabinet d'instruction et au niveau juge là Gary Aurélien et faut juge là lui même tout lui clarifier situation lui avec Élisée Cadet qui s'est greffier lui et qui a marché assez les monde ramasser l'argent et lui dit et c'est là c'est pour c'est lui la ramasse ouais et puis faut bien l'ordre qui bail pour instruction et pour enquête à reprendre au niveau la police et judiciaire ouais tout à fait et bon alors nous t'ai déjà dit déjà identifier institution bancaire yo, et pour permettre que monde capable connaît qui est qui paye pour criminel mais il y a des l'autre monde tout qui paye qui baille comme pour criminel et que l'argent pas passé dans banque dans système là oui et que qui gain protection autorité Pierre-Espérance, merci en pile lui pour tout détail ça au bail dans rapport son rapport monde capable consulter sur site RNDDH et si vous avez besoin rentrer plus là-dedans. Merci en pile pour un petit temps ça. Kemb FM, bon travail. Merci et pour te li rapport et RNDDH là qui est bon parce que si c'est parce que li rapport qui rend et interview et facile. Donc, merci et continuez à informer et éduquer la population. Merci beaucoup, Pierre Espérance, responsable RNDDH.